Gunfire, comment vas-tu, Floro? . 121 fichiers, 2018 blocs libres. 2018, wesh. On est en 2019, c'est quoi cette histoire-là? Merci d'être là, mon gros. On est parti pour Medal of Honor Soleil Levant. GameCube. Ça fait plaisir. Jour d'infamie. Oh là 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 là. Ah là là, cette petite carte est stylée. Hein. Je sais pas si vous constatez là. Commencer mission. C'est parti, mon kiki, en espérant que ça va bien fonctionner. Nickel, et toi? Moi ça va bien, ça va même très bien. Là je suis en train de faire un jeu que j'adore. Un jeu sur GameCube. Un jeu d'enfance que j'affectionne particulièrement. Qui est Medal of Honor. Si vous connaissez, les vrais connaissent. Ah mince. Je fais une petite erreur dans le titre. J'ai rajouté un N à Honor, mais c'est pas trop grave. Good morning, Honolulu. Looks like we're in store for another beautiful and serene December day. En anglais, il n'y a qu'un N. À Honor, alors que l'honneur en français, c'est deux N. Je croyais qu'elle était blonde, ta copine. C'est bien que ce soit en français déjà. Ça, c'est Marilou. C'est quoi, vieux? Je vais les mettre sur le mur. Tu pourras. C'est quoi ce... Le magasin a explosé. Debout les gars. Voyez-vous. Allez, allez. Allez, allez. Relevez-vous, bon sang. Vous dormez ou quoi? Je peux pas respirer avec ce truc. C'est de la poussière! Joe Griffin! Suivez-moi, caporal! Il faut monter sur le pont! Alors, content de voir un jeu rétro, Dragonfire, je pense que ça te plaît. Toi qui connais les vraies valeurs des jeux. Allez, mon vieux, sautez! Ça devrait te faire. Attention, passez dessous! Faut foutre le camp ici! Un minimum. Oh merde, les coutilles! Par là! J'ai trouvé la sortie! Deux CD par contre. On va faire déjà le CD1 si on peut. Ce sera déjà bien. On va continuer. Il me faut un extincteur. On va lui dire, donne-moi ça, il va dire. Donnez-moi ça. Voilà, je savais qu'il allait dire ça. Allez, donne-moi ça. Ah, Diablo 3, on ne connaît pas. Ah. Allez, appelez le QG. Utilisez l'interphone. On va sauvegarder quand même si c'est pas... On sauvegarde, on sait jamais s'ils me font tout recommencer. Hein? On les connaît, ces salopios. Voilà. La Nintendo GameCube, c'est Nintendo. Tout le monde l'a jugé mauvais, mais c'est une putain de bonne console. Mieux que n'importe quelle console. Ouais.
elle a tout pour plaire. Même pour l'époque, franchement. Ils sont partout. À l'époque, les jeux de cartes. Montez sur le pont. Trop fort Dragonfire, dis-moi si c'est bon comme ça. Attends, peut-être que j'avais pas mis assez fort le Yeti. Attends, ah merde, je me suis trompé. Ah bah ouais, c'est normal que tu m'entends pas, frérot. J'avais pas mis, attends, en fait, j'en sais rien. Ça, c'était pas à fond. Puis ça, je me suis en fait, j'ai inversé le truc. Ça va mieux comme ça, n'hésite pas à me le dire. Hein. Attends, hop, on va remettre. Putain, faut que je remette ça aussi. Merde. Non, ça s'en bat les couilles. Voilà. C'est bon. Tu me diras ce que t'en penses. Normalement, tu devrais mieux m'entendre. Et entendre un peu moins bien le son. Ouah, ce Medal of Honor, je l'ai fini à l'époque, il date. Ah, le vrai, il connaît. Il connaît les vrais bails. Attends, on va sauvegarder vite fait. On va écraser le fichier et on va continuer. Chewbacca, c'est mon tout premier jeu de guerre, je crois. Peut-être que j'en ai oublié un. Hein. Mais même le multi, il était bon. Même à l'époque, le mode multi était pète sa mère. Je jouais à l'époque. En multi, c'était bien. Merde, c'est un... Montez dans la tourelle, grouillez-vous! Et là, la musique, l'ambiance, c'est juste... Y'a rien à dire. Année 2000, la famille. À 2000 combien, je sais plus exactement. Soit 2000, mais après 2007, je sais pas. Ça date. Voilà, Pearl Harbor, les gars. Ça va mieux comme ça, Dragonfire. Merci de m'avoir prévenu, frérot. Thank you.
c'est trop fort, n'hésitez pas à me... Si c'est trop fort, n'hésitez pas à me le dire, les gars. Moi, j'ai mis à fond, perso, parce que... j'aime bien la musique et l'ambiance qu'il y a dans ce jeu. Et... C'est vrai que c'est fort. Ça va beaucoup mieux. Ah, bien, attends, bien. Je sais pas, je suis quel niveau, mais ma vie est très basse. Je crois que c'est normal. Hein. Ils peuvent me buter, je pense. Ouais. Ils peuvent me buter. Là. Je lui ai mis un petit turn à l'avion. Là. Je crois que ça passe, hein. Je suis pas sûr. Ah ouais, je me rappelle. Les moteurs ont morflé. Griffin, il n'y a plus de pression dans le canon. Les gars, il faut remettre cet engin en état de marche. Ah là là, vous avez vu ? Comme on dit, cette ambiance, il n'y a plus ça dans les jeux vidéo maintenant. Vous avez vu l'ambiance ? Ah, on s'y croirait quoi, c'est trop bon. Même si graphiquement c'est plus que... C'est trop vieux. Mais putain, ce qui est vieux, c'est ce qu'il y a de meilleur, les gars. Je respecte toujours ce qui est ancien. Jusqu'à ma mort. Bon Dieu. Oh mon Dieu, on a perdu l'Arizona. Dieu les aide. C'est un cauchemar. On a perdu l'Arizona. C'est du lourd, la phrase. Ah ouais, bah y a pas de problème Dragonfire. Moi ce qui est sûr c'est que je vais essayer de taper une bonne soirée là-dessus. Au moins finir le CD, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a deux CD. Pour ceux qui sont chauds pour rester toute la soirée. Et ou même venir de temps en temps pour jeter un œil. Vous êtes les bienvenus les gars. Ça sent les bombes là qui vont nous balancer par le haut. Ils ont des balles sur le peloton. Et je suis frustré. Putain, ils préviennent pas quand c'était. Mon Dieu, y'a un bateau. Putain, si je survis, frère, allez là. Oh, je le sens pas. On fait ce jeu pour le plaisir avant tout. On en a rien à foutre. Buzz ou pas buzz. Voilà ce que c'est que de jouer ce jeu les potos. Prenez-en de la graine. Regardez ça et regardez bien. J'espère qu'aucun de vous ne vivra plus une journée pareille. Putain, c'est clair. Personne ne saura jamais l'enfer que ça a été. Une journée comme ça, mon pote. Ah, ça a vraiment existé, c'est ça le pire. Ceux qui n'ont pas eu cette chance. Salut Krabukit. Objectif bonus accompli 1. Impact reçu 125. Objectif accompli 2. Sauvegarder, continuer. On va, comme d'habitude, écraser. Bim, 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 bim.
En tout cas, demain, je serai heureux. J'ai une personne chère à mon cœur que je revois demain. Bah, je sais c'est qui, c'est ta chérie. Tu lui passeras un big up de ma part. Salut, Krabukit, bienvenue. Comment il va? On laisse un peu les scénarios, les scènes. Pour se rappeler le bon vieux temps. Ça c'est... putain j'ai oublié. Le pont de la... Non. Oh putain ça fait du bien de voir une petite Thompson à l'ancienne. Putain je m'en souviens pas, ça fait tellement longtemps. Comment je fais pour courir vite là? Joseph, c'est toi? Ah c'est bon de te voir. T'es sorti du monde de Californie, j'arrive pas à le croire. Mais non, ça va. Il nous a retrouvé, il y a un camion. Ah, la fin de cette église sur le plateau. Mais ça croule de Jap là-bas. Putain, c'est quoi ce bug là? Putain. Je déteste cette arme. Ça fait bizarre. Ah mais il y en avait un là. Ta gueule, connard. Ah, ok. Merci, Dragon Fire. La musique est juste épique quoi. Putain, je tire sur lui pourtant. Faut vraiment limite tirer sur le corps quoi, c'est ça. Ouais, ça lui suffisait pas les balles quoi. Après, une fois que je les ai butés, ça va avancer. Je pourrais avancer dans le jeu. Ne vous inquiétez surtout pas. Trouvez le galet pour. Mais je l'ai non? Peut-être que j'ai été chercher. Quand je vis, c'est une catastrophe. Chargeur de M1 garante. Il y a des mecs qui apparaissent comme ça dans l'air. Ça va la vie. On va sauter par-dessus. Mes grands-parents ont vécu le Vietnam et ma mère est née vers la fin de la guerre et donc moi je la pose toujours des questions. Bah ouais c'est pas n'importe quoi. Hein. Ceux qui ont survécu à la guerre, ils sont traumatisés. Hein. Là, tu lui mets 50 balles au pied, il referait, mais il meurt pas. Hein. Ah mais c'est un allié ça, putain je suis con. Pourtant j'étais sûr d'avoir récupéré le galet qui demande tu vois. Oh merde je crois que j'ai...
J'ai balancé une grenade. Ah, il a pas récupéré ce con. Il a pas récupéré le con. Voilà pourquoi ça avançait pas dans le jeu. La prochaine fois, je le serai. On va pouvoir avancer dans le game. Mais ce char est plutôt jeune. Alors, vous éloignez pas. Ouais, c'était solide, frérot. Et surveillez bien nos plans et nos arrières. J'ai pas vu ma copine pendant 2 voire 3 semaines et là où elle est partie, c'est un peu normal. Ah ouais, elle est partie loin. Je crois qu'il faut que je fasse action. Qu'est-ce qu'il a encore, mon neveu, il pleure. Ah, fallait mettre là, ouais, le galet. Galet. Tu crèves. J'ai peur moi. J'ai même pas besoin de tank. Ah bah voilà, dans la tête, ça fonctionne pour une fois. Ça a l'air de mieux fonctionner de près en tout cas. Lolo, regardez-moi ce qui arrive là-bas. Un mec déterre. Je sais pas ce qu'il aurait fait franchement. Il voulait rentrer dans le tank et le niquer. Oh, ta mère elle est cambodgienne, Krabukit. Merde. Faut pas qu'il pète le... Faut pas qu'il pète le tank. Mec, je lui tire dans la tête et il meurt pas. Il est mort? On aurait pas dit. Hein. Ça a pris un sacré coup de vieux, les amis. Hein. D'accord, Krabukit, je savais pas moi. Tu nous as jamais dit aussi. Moi aussi, on t'a jamais demandé, faut dire. Un endroit qui sert à rien dans le jeu. Moi ce jeu je l'aime pour la musique quoi surtout. C'est juste abusé quoi. L'ambiance, il y a des bons sons quand même, le bruit des armes sont vraiment pas mal pour l'époque. Je me suis dit vas-y ce soir pourquoi pas faire un vrai jeu tu vois, plutôt que du Fortnite parce que j'en ai un peu ras le cul quoi. Fortnite tu meurs toutes les 2 secondes là. Il y en a marre les gars. Tu fais tout pour bien jouer, tu te fais niquer quoi. Donc vas-y, je me suis dit, vas-y, bon petit jeu ce soir là. On va essayer de faire, pourquoi pas, quelques missions. Jusqu'au CD1 peut-être, je sais pas. On va voir en fonction de comment on avance dans le jeu surtout. Parce que je pense que c'est un jeu pas mal long, je pense. La soupe est chaude et délicieuse. Ça c'est bon à savoir ça. Ouais, je suis bloqué gros. Y'a un trou. Moi j'adore les jeux de guerre les gars. Si je pouvais tous vous les faire, je le ferais les gars. Il met pas des coups de crosse. Il est sérieux là. Je me rappelle, j'étais bloqué dans le jeu. En ce moment là. Je
Je sais pas, après, il va me demander, je sais pas ce qu'il faut. Ah, c'est doit être la dèche au Cambodge. Ma mère est contre Macron car elle veut pas que j'aille à l'armée. L'armée, c'est pour les chiens, frérot. T'es comme un animal et t'as... tu réponds aux commandes comme un chien, tu vois. C'est pas parce que je joue à ce jeu que je vous dis allez jouer, hein, allez devenir des gars de l'armée, non, non, non. Jamais de la vie, c'est... c'est qu'un jeu avant tout. Oh, écoutez cette bordel de musique, écoutez, écoutez, écoutez. Putain que c'est bon ça. Voilà, juste pour ce plaisir là les gars. Mais après je sais pas ce qu'il faut faire. Faut que je regarde l'objectif. Retrouver le camion d'explosifs, neutraliser le PC transmission. Il faut que je trouve le camion explosif. Putain. La dèche c'est quoi? La dèche c'est la misère. Puis si on lance une grenade pour lancer une grenade, on entend les boutons enfoncés. Voilà, là il faut que j'aille au camion. Faut que je trouve un camion, soi-disant. Ah voilà. Enculé. Ouais, là tu peux... faut plutôt viser le corps en fait. Tiens. Putain, j'ai beau viser, je te jure, ça marche pas tout le temps. Oh putain, l'autre. Putain. Attends, faut que je trouve le lance-grenade. J'ai vraiment... j'ai réellement un lance-grenade moi, non? J'essaye de chercher comment... j'ai que des grenades, la famille. Ah, voilà. Voilà. Oula. Voilà. Merde, faut lancer vraiment fort en fait. Oh putain, merde, il m'a buté cet enculé. Il était là le camion qu'il fallait que je bute. Oh putain. Copine, t'allais en Amérique avec tes amis. Elle, je pense qu'elle t'a fait de la pub. Dernier message pour ce soir. Je veux tu ponies samouraï, que le courage et le sauve du dragon soient avec toi. Enfin, bon Dieu à toi, frérot. MDR, pour aller dormir, tu fais un discours pas possible. Bonne nuit. Voilà, tranquille. C'est le refrain. Vous imaginez, je dois tout me retaper là. Oh, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Joseph, c'est toi ? C'est un allié ou un ennemi, putain ? Ils sont là-bas, les ennemis. On va aller plus vite là, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est vite fait. Maintenant que j'ai repris un peu l'habitude. Alors. Je vais juste aller derrière. Prendre ça. Voilà. Tac au tac. Voilà, tac. On a un peu autour, je sais plus ce qu'il y avait là. Allez hop. C'est parti. Voilà. Ah oui, ça a pas mis longtemps par rapport à tout à l'heure.
connard. Hein. Allez les gars, prenez cette position. Il faut éviter une contre-attaque. Ah, je vais vite, faut dire la vérité par rapport à tout à l'heure. Hein. Je suis plus vite, plus rapide. Quoi. Mais tout à l'heure, j'ai pas compris. Ils nous disent ouais, j'ai un lance-grenade, je sais pas quoi. Rien du tout, hein. Il l'a eu, GG. Il a eu 600 euros plus loin. Mais je lui tire dessus, je te jure que ça me touche pas des fois. Allez, rapidement tout ça. Bien, je regarde le moment où il m'explique comment utiliser le lance-grenade parce que là il y avait des moments. À un moment j'étais complètement à l'ouest là. Comme on dit. C'est toujours la même manière de jouer en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Allez. Ça fait plaisir d'y arriver. Un peu vite, je trouve, et en plus, j'ai pas beaucoup de vie. Putain, il va me buter, gros. J'ai failli tout recommencer là, les gars. Ça allait me plomber mon délire là. Franchement, je vous mens pas. J'espère franchement trouver de la vie. Non, putain, y'a rien, un truc de fou. Comment je vais m'en sortir, putain. Je vais aller voir derrière le muret là. Ah mais en plus il y a un truc pour la vie là-bas. Faut que je retourne en arrière. Ah c'est une question de vie ou de mort là. Par contre il n'y a pas moyen de sprinter dans ce jeu. C'est un truc de fou. Apparemment il n'y a pas le bouton pour sprinter. Ah si c'est peut-être parce que... Je l'ai pas mis peut-être, je sais pas. Non je pense qu'il n'y est pas. Je me souviens pas qu'il y avait un bouton sprinter à l'époque. À l'époque, c'est en 2000 les gars. En 2000, ça va faire 20 ans maintenant. Vous étiez même pas en vie les gars, vous existiez même pas. C'est pas abusé quand même. Putain, j'ai pas de vie. Voilà, faut pas que je fasse de la merde, ça va. Ah, je prends une balle les gars, c'est fini. Devant ou pas? Putain, il y en a là. Ah le bâtard. Ah le bâtard, il a failli me voir. J'essaie de voir ce qu'il y a. Ouh, je suis content d'avoir trouvé de la vie. Je peux vous assurer que je suis content. Voilà.
C'est bon ça. Je vais bien écouter ce qu'il va dire en tout cas. Petite radio, hein. On compte sur vous, soldats. Et ouais, c'est ça. Nous laissez pas tomber. Putain. Pire, c'est qu'une attaque, c'est ça. Allez vous faire voir. Oh, il attaque méchamment en plus. Hein. Lui fait mal, lui franchement il m'a fait mal, la vérité. Allez. Pas content d'avoir trouvé le fiole. Parce que là la vie ça part vite. Hein. Vous avez vu le niveau de difficulté de ce jeu les gars? Putain. C'est vraiment pas facile. Mec, je te tire dessus. Allez, c'est la bonne cette fois, les gars. Je lance au pif hein, parce qu'il va me buter sinon. Merde. Putain. Pète mon gars, pète bien comme il faut. Le PC il est à gauche je pense. J'ai cru vraiment que ça avait pété là. Ah ouais, c'est bon. Faut être malin quoi. Il va péter là. Je me rappelle cette mission de péter les couilles au début. J'ai passé des temps, hein, tout le temps dessus, je me souviens. Je ne sais pas s'il est pété là. Ah, il est pété. Hein. Voilà, il n'y a plus après à gauche, t'as la radio. Voilà, double porte défoncée, c'est ça. Plus compliqué qu'on le pense cette mission. Plus casse-couille qu'on le pense. Voilà, plus qu'à sauvegarder. Et là, mes amis. Ça fait plaisir. Ça va dans siphon filter en fait. Je sais pas ce qu'il branle, il est en train de pisser. Pisse de boule. Oh. C'est mon préféré. Clairement. Je crois qu'il y en a un. Un ennemi, je suis pas sûr. Je me rappelle, j'avais trouvé ça la première fois. J'étais refait. Je crois qu'il n'y a rien, je suis pas sûr, mais je sais pas pourquoi il y a un passage là. Ah ouais, c'est pour la vis. Ah ouais.
Ouais, c'est ça. Non, c'est L2. R2, pardon. On va aller là-dedans pour voir. Faire le truc de sauvegarde. On continue par là-bas. Bizarre, il est mort tout seul ou quoi le mec? Il y avait un mec là. Marrant comme ça vise mal. On dirait Fortnite, bordel. Ça m'arrête pas des grenades, ça. Ça m'arrête pas des grenades, ça, franchement. Hop là. Au moins, c'est réglé, quoi. Passage là. Comment on fait pour se blesser déjà? Ouais, c'est clair. Putain, je me souviens plus de ce chemin. Je pense que ça, c'est la fin. Ah oui, le PC de l'autre côté. De l'autre côté. Non, on peut pas y aller là-bas. Ça va finir en couscous. J'arrive pas à sauter, quoi. Ah, si, ça. On peut pas remonter? Ah, quand même. Ouais, je suis obligé d'aller par là, hein, c'est sûr. Hein. PC transmission, je pense, c'est par là. C'est sûr que c'est là. Ça va vraiment mal se finir, cette game. Si c'était. Comme c'est dur ici, putain. On va arriver sur le techo. Normalement, il y a du monde ici là qui me tire dessus. Voilà, transmission neutralisée, ça donne quoi? Hop là, retrouver le camion d'explosif. C'est quoi le camion d'explosif du coup? Je sais pas, pour l'instant j'en ai aucune idée. Ça a pris un bon coup de vieux quand même. Ah, ça finit mal. Ah bah déjà il y a le camion explosif qui est là-bas, je vais aller le chercher, je vais aller
le machiner. Comme ça, ça ne niquera pas ma mission. Ça ne mettra pas mission fail. Ah non, c'est pas ça, putain. OMG. Remonter mon pote. Qu'on remonte vite. Dessus. Hein. Pour sortir là-bas, je pense. On a choqué les gars. Mec, je vise ta tête, gros, c'est pas normal ça. Oh, il y a un autre passage là. Incroyable ça. Il y a un autre chemin, mais ça c'est plus pour se cacher, je pense. On va aller de ce côté là-bas. Allez, temps de terminer la mission. Il fait mal lui. Il fait mal. C'est un allié là-bas. Apparemment c'est bon, hein.
pense qu'il faut que je le fasse péter, mais je suis pas sûr. Ah, c'est un ennemi, cet enfoiré. Ah, si je meurs, putain. Ok, une gourde là-bas. Putain, elle a disparu la salope. Ah non, je crois que c'est elle. Non. Putain. Beaucoup trop de grenades, si peu de santé. Ça. Putain que ça fait plaisir. C'est très très rare les trousses. C'est ça qui est dingue. Putain, je peux pas ouvrir. Putain, c'est incroyable ça. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais. On a réussi la mission. Et moi, ça fait plaisir. Le jeu est très bien, les gars. Pas le camion explosif ça par hasard. J'ai pas le camion explosif, c'est quoi les bonnes.
signe à l'équipe du génie. Je m'occupe du camion. Ah, il est là, le camion. Méfiez-vous des japs. Je crois qu'il y en a des nouveaux, là. La petite église. Petite sauvegarde de ouf. Et c'est très très rare, les sauvegardes. Très 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 rare. Incroyable. Incroyablement rare. C'est pas grave, on fait une deuxième sauvegarde, au moins on est tranquille. Bon ben voilà, les gars. Je pense que la mission est pratiquement terminée. Hein. On va monter. On va voir un peu qu'est-ce qui nous attend. Voilà. Équipe du génie prévenue. Ça y est. Camion d'explosifs sur le pont. Sérieusement. Allez, montez derrière et tirez sur tout ce qui bouge. Ça risque de secouer un peu. Sérieux. Chaud devant. On s'en remet pas. La gueule, moi, bande de nuls. Touche pas mon poteau. Allez, hop, ça dégage. Non, même pas. Là, ça lui gagne. Les grenades. Rien de mieux que grenades, les gars. Putain, rien de ma vie, putain, c'est incroyable. Putain, ta gueule, non? Tu es pas mal là. Repos, mon vieux. Je suis désolé pour votre frère, Griffin. On a... on a réussi une mission très périlleuse et on s'en est presque tous sortis. C'était... c'était un bon marine. Et on l'oubliera pas. Oh putain, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Putain, 18% de précision, c'est pas possible ça. C'est votre jeu qui est pas précis. Bon, bah les gars, merci d'avoir regardé ce live.
Ce fut un plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour un autre jeu. Ce fut un bon, un des meilleurs jeux de guerre, moi je vous le dis. Meilleur des jeux. Écoutez-moi. Au plaisir de vous faire des bons jeux de guerre, des vrais. Avant la grande offensive de l'aube. On se dit à plus, ciao. On va débarquer sur la plage, se pointer à l'aérodrome